Bonjour à tous les amis, vous êtes avec Rada, bienvenue sur ce Let's Play sur God of War. Toujours un plaisir de partager ces moments avec vous, alors détendez-vous, installez-vous bien confortablement dans votre fauteuil, sur votre canapé, dans votre lit, peu importe, sur votre chaise. Et appréciez avec moi, tous ensemble, le 26e épisode. J'ai trop mangé les mecs. Ouf, j'aurais jamais dû manger autant. Ah, j'ai le ventre gonflé, tendu à bloc. J'espère que je vais pas me taper une autre Valkyrie parce que on n'a pas le mental du guerrier. Là, je sais pas, y a un truc qui va pas. On a plutôt le mental de l'obèse là, vous savez. Bon, alors oui. Nous devions aller Il fallait que seuls. ce soit Elheim. Tout va bien, frère? J'ai une tâche à accomplir. Ne m'interromps pas. Comme tu voudras. Nous devons aller à Helheim. Donc on va aller à Helheim. Hein. Elle est jolie sa petite barque. Pleine de petites fleurs. Ça, mon pote, c'est Thor qui est en colère. Hein. Il va te tomber sur la grosse ganache. Oh oui. N'empêche, c'est beau. Qu'on va sursauter. Un peu de chance. Oula, ce sera que le maudit. Ok. Voyez. Bon, au moins le trajet en barque se fait tout seul, c'est bien. Non, là, pas de carte dispo, je regardais. Désolé, je casse l'immersion, pardon. D'accord, on a descendu tout ça, on est revenu à Fauvebois. Très bien. Ah.
Ça fait bizarre de plus compter sur les petits gars avec ses flèches là. Ça va être difficile les mecs. Faut que j'utilise plus vraiment le bouclier là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est plus cassé, tiens, non. Voilà, une nouvelle arme. C'est ces espèces de crochets là qu'il avait, ces petites haches. C'était stylé ça. Petite hache lance là. Ils sont morflés. Tu n'as nulle part où te cacher, Spartiate. Tu auras beau mettre autant de distance que tu veux entre toi et la vérité. Ça ne changera rien. Tu peux prétendre être ce que tu n'es pas. Un mentor, un mari, un père. Mais il y a une vérité à laquelle tu ne pourras jamais échapper. Tu ne peux pas changer. Tu demeureras à jamais un monstre. Je sais. Mais je ne suis plus ton monstre désormais. Ok, c'est reparti comme à l'époque. Voyons de quoi ces lames sont capables. Oh ouais, ils sont tellement stylés, loup. Pas besoin. Putain, ça m'avait manqué cette sensation. Ah.
Je vais pas crever une fois pour toutes là. Retrouvailles de plus. Ces lames te seront utiles à Elheim. Il doit y avoir une porte vers le monde entre les trois royaumes. En plein milieu du jardin. Pratique. Prends ce raccourci et de là, rends-toi à Elheim. Oh, on peut choisir les gars. Wouhou, ça c'est stylé de ouf. L'âme du chaos. Excellent. Alors, on a sprinter, un patafouin. Je n'ai rapidement beaucoup sans subir. Ok. Ça c'est excellent. Ça c'est excellent. Et ça. Ah bah, je vais directement marquer le titre. Tiens. Oh oui. Stylé de ouf. Alors, où est-ce qu'il faut aller? Tu m'as dit retourner à Tyr. Bah, c'est où? Ils mettent pas la main? Je crois que la salle était là, non? L'avantage c'est qu'après il y a plein d'endroits où on peut arriver. Ou alors non, c'est tous les endroits d'où on peut venir. À mon avis c'est plus ça. Je suis à peu près certain que ce n'est pas à moi que tu parlais tout à l'heure. Tu n'as pas quelque chose à me confier? Je t'assure que je garde les secrets comme personne. Bon, tu sais où me trouver. Et pour ta gouverne, j'avais déjà deviné que tu étais grec. Athéna? Impossible de se tromper. Il aurait pu nous éviter ça par contre. Sauf si ça a un intérêt plus tard, mais... Franchement les gars... Bizarre comme idée. Hein. Très bizarre. Petite animation à la limite. Tu pues la magie d'un autre monde. Par les saints de Nana, qu'avons-nous là? J'ai jamais rien vu de tel. Un héritage familial, forcément. Non. Et ça ne le sera jamais. Écoute, mon frère et moi avons créé Mjolnir pour le grand crétin. J'ai l'œil pour ces trucs. Et ces lames, elles ne sont pas banales. Et où est ton morveux? Il est tombé malade. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Les As? Non. Tout est ma faute. Et c'est à moi de réparer cette erreur. On dit les As, pas les As. On va tous prendre nos responsabilités parfois. Hein? Est-ce que je peux faire quelque chose pour l'aider? Je peux me rendre utile. Tu veux que je vienne avec toi? Non. Tu as déjà assez à faire. Par ici. D'accord. Alors, où est-ce que tu vas, comme ça? Au royaume des morts. Elheim? Merde, c'est du sérieux! Je vais garder un œil sur toi. T'en fais pas, les gosses sont costauds.
À son âge, je me suis coupé la tête, propre et net. Et je m'en porte pas plus mal. Ah. Toujours pas de braise ardente. Ah. Il faut les flammes du chaos, d'accord. Et ça, il faut la flamme de glace. Ça fait 1000. Oh, c'est bon. Moi, je croyais que je devais être dans la salle. Je comprends plus rien, moi, les gars. Je croyais que je devais aller dans la salle de tir ou je sais pas quoi. En fait, non. Dans le tombeau de tir, non. Maintenant que Freya t'a donné la rune de passage vers Helheim, le royaume devrait être accessible depuis la table. Jotunheim, ok. Alfheim. Non disponible momentanément. Le Valheim. Muspelheim. Niflheim. Aska. On y va vraiment. C'est bon, ouais, allez, c'est parti. Royaume des morts. Les vivants sont rois. Très joli ces petits effets. Trouver le gardien du pont. Allez, go. Allons lui ôter son cœur. Je pense qu'on va se galérer encore. Je garderai un œil sur toi. Je crois qu'il y a un coffre caché par là, disons. Je profite de l'occasion pour te dire que ce que nous allons faire est pure folie. Les lutins ne vous survivra sur toi, alors que là, nous intérêt à fonctionner. Ah ouais, carrément. Helheim. Non, nous sommes toujours sur le pont entre les royaumes. Celui que nous cherchons est le pont des damnés. Les morts l'empruntent pour se rendre dans leur séjour permanent, la cité de Helheim. Le gardien qui en garde à l'entrée, c'est lui que tu cherches. Touche au pont et tu tomberas nu. Tu sais, j'espérais vraiment ne jamais revoir cet endroit. Tu l'as déjà vu.
Utilise le feu de tes lames pour brûler ces ronces qui nous barrent le chemin. Ah, excellent. C'est comme ça qu'on va brûler les ronces. Très bien, les mecs. Parfait. Encore mieux que ce que j'espérais. Ça, encore une bonne raison d'être allé chercher ces lames. Eh ouais. Putain. Je me sens plus en sécurité avec elle. J'aime bien ma hache, mais... ces petites lames là, toujours un petit coup de cœur. Chose. Elle est pleine. Sans la Valkyrie pour faire le tri, la cité déborde. Oh merde. Argent. Putain, ça veut dire qu'ils vont encore me renvoyer avec la Valkyrie. T'as juste un moment. Je sens gros comme une maison, ça, les mecs. Ça a l'air plein, ouais. Passer par un autre endroit maintenant. On n'a pas le choix. Faut sauver le fiston même s'il nous agace. Ah ouais mec. Il y a un dieu de la mort chez les vikings là. Huh!
Voilà, ça m'agace là. Passer derrière, machin. Casser les couilles. Yes. C'est vrai qu'on est un amoureux des coffres. Très bien. Les pillards que nous avons tués près de ma maison, ils sont venus ici. Comment ont-ils pu revenir aussi vite? Le temps ne s'écoule pas de la même façon d'un royaume à l'autre, surtout pour les esprits. Comme la lumière d'Alfheim. C'est le contraire. Le temps passe plus vite sur le lac des âmes qu'à Alfheim. Mais il passe beaucoup plus lentement à Helheim qu'à Midgard. Ça ne doit pas être évident à saisir. Si ça nous permet de retrouver mon fils plus rapidement, ça me va. Ah, tu comprends vite à ce que je vois. Ça c'est fait. Et donc, c'est un petit coffre là, les mecs. Je peux pas laisser passer ça. D'accord avec moi. Comment on fait? À mon avis, je fais nappe. Donc j'en étais sûr. Je le savais que je faisais n'importe quoi. Des conneries, c'est derrière. Qu'on chope ce coffre. Putain, ce câble m'énerve là. Cette prise jack. Branchée à ma manette. Voilà. Mon or. Enfin, mon argent, du coup. Soi-disant, fallait pas que j'avance trop, je sais pas quoi. Valhalla, est-ce qu'il fait partie d'Alheim? Ah, non. Le Valhalla fait partie d'Asgard. Il faut être mort dignement pour y aller, comme les guerriers qui tombent au combat. Alheim accueille ceux qui meurent dans le déshonneur. Les criminels? Oui, et ceux qui meurent de maladie, d'accident, de vieillesse.
C'est donc un déshonneur de vieillir. Eh bien, il n'est jamais trop tard pour mourir au combat, je suppose. Sympa. C'est vrai que la hache est stylée. Cette paroi nous permettra de sortir si on parvient à l'atteindre. Ok. Bien reçu, Mimir. Non, bah là, c'est de là d'où je viens. De là d'où je viens. Stylé. C'est plutôt stylé, les mecs. Je sais pas ce que vous en pensez. Allez. Des morts. Je ne pense pas, non. Mais ça ne devrait pas aggraver les choses non plus. Ce sera un obstacle de moins à franchir pour les vivants qui souhaiteraient rejoindre le cercle intérieur des Lime. Mais qui serait assez fou pour s'y rendre? Bah, à part moi, je vois pas. En même temps, je suis un dieu. Ce gardien, je sais qu'il va me causer du souci. Il va me causer du tort. La bonne blague! Allez, les mecs, avouez que ça vous a fait rire, quand même. C'est vrai, mes blagues sont pas toujours drôles. Mais ça vous manque, des fois, j'en suis sûr. Mais oui. Je sais, quand cette vidéo est terminée, vous dites... Oh. Le monde est damné. Et voilà le gardien. Il s'assure que les morts sont bien morts. Que tient-il? Ce totem contient une puissante source d'énergie magique. Le pouvoir même des Lime. Mais toi... C'est son cœur que tu veux. Prends-le et nous pourrons partir. Comment? Attire son attention, ça ne devrait pas être trop dur. Ouais, à mon avis, comment dire? Ça va pas se faire aussi vite et facilement que ça. Hein. Un gros pressentiment, les gars. Là, on peut pas y passer, c'est-à-dire qu'on pourra y revenir quand même. En revanche, les mecs. Ah, ouais, d'accord. Non, pour l'instant, on peut pas. Ok, très bien. Ah oui, il faut sauter. I don't care if you tell me a story. Ah, je me gratte l'oreille, c'est pour ça que j'avance plus. Attendez. Vous savez, le problème que j'ai avec ce casque, qui est fabuleux, mais... Les trous pour les oreilles sont pas assez grands. J'ai l'impression que j'ai mes oreilles qui frottent et ça me fait mal. Allez, vous. On va pas trop se poser de questions non plus trop longtemps. Sinon... Allez, on va tirer son attention. Putain, une espèce de dragon, encore. Putain, c'est les pattes de ma gueule. Putain.
Aïe, tu m'as énervé. Putain. Putain. Pas passer sous ses jambes là, comme dans le Seigneur des Anneaux. Putain, je pensais. Je vois même pas quoi. Merde. Derrière toi, attention. Putain. M'énerve ce petit truc là. Et... Tu sais que tu m'énerves. Putain. Putain, il est chiant, il disparaît. Putain. Allez, tue-le. Putain, c'est moi qui vais mourir avant. Putain, j'ai appuyé quoi! Putain, c'était chaud les gars. Donne-moi ton cœur! Oh! Yeah baby! Wouhou! Prends son cœur maintenant. Tu vas devoir te salir les mains. C'est trop stylé.
J'aurais vu plus gros le cœur, mais bon. Pour une grosse bébête comme ça. J'ai le cœur. C'est tout ce qu'il fallait. Oui, parfait. Mieux vaut ne pas traîner ici de toute façon, hein? Kratos. Zeus. Zeus? Mon père. Zeus est ton père? Ça explique bien des choses. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? N'y va jamais. C'est compris? Pourtant, les morts se battent. Que fait-il ici? C'est impossible. Ce n'est qu'une illusion. Elle est réputée pour torturer ses habitants avec leur propre acier. Trouve-vous plutôt un moyen de rejoindre ton fils. Cool. On a une flamme du chaos, très bien. Un petit peu pour nous, très bien. Qu'est-ce que c'est que cette aigle? De toute façon, on peut pas y aller. J'aurais bien été voir par curiosité. Putain, on avait plus de life, hein, les mecs. Hein. C'était tendu du gros slibar, comme on dit chez moi. Psst. Ah. Je ne devrais pas être là. Ça gèle ici. Vite, donne-moi tes lames. Pourquoi? J'ai dit que je t'aiderai et je vais tenir parole. Allez! Mes outils sont à Midgard. Je reviens tout de suite. Il ne vient pas de te les voler, tu es sûr? Et voilà. Maintenant, elles sont prêtes pour les vents de Hel. Vise juste ce petit truc magique lumineux avec tes lames et lance. Cool. Je me doutais qu'il y avait un truc. Maintenant, vise ce piège avant avec tes lames. C'est cette petite boule suspendue au milieu de la porte. Tu la vois? Vas-y, lance-les. Maintenant, tu peux capturer et libérer les vents de Hel quand ça te chante. Bon, je mets les voiles. Ne me remercie pas. Il fait un froid de canard ici. On se gèle le son. Il m'arrive parfois de me demander ce qui se passe dans sa tête. Nous sommes partis depuis trop longtemps. Les vents de Hel, je veux bien, mais ça sert à quoi? J'ai rien compris. J'ai rien capté au truc, le mec. Nada. Ah bah c'est là où on était. C'est-à-dire qu'il faut que je prenne ça et que je mette là-dessus. Ok, et progressivement. Ah, ça se porte juste de l'un à l'autre. Okay. Yes. Bien joué, ça c'est joli ça.
Est-ce qu'on est dans les temps, les gars? Oui. Bien de la santé, j'en ai plus, les gars. On va ouvrir ça. Je pense qu'il y a un coffre derrière, les mecs. Bon, écoutez, on va ouvrir ça au prochain épisode. Puisque, écoutez, là, ça me paraît plutôt lancé sur le retour, à mon avis. Ils vont pas nous laisser repartir comme ça aussi facilement. Donc, je vais vous faire des gros bisous. Je vais vous dire à bientôt. Merci de m'avoir suivi et de me soutenir. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.